This is gonna feel real good, alright? Most dope. Everybody please put a thumb in the air. Yeah, I'm up at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. Hello, le nouveau vlog, on est lundi matin. Et on s'est réveillé grave tôt pour avoir le sunrise. On a cherché notre petit café et là on est sur le toit de l'hôtel, sur le rooftop avec la piscine et la vue. Je vais vous montrer, c'est genre incroyable. Genre vraiment c'est trop stylé. Magnifique. Trop de chance. A million bucks, but my money don't really feel like I do. And from the ground I build my own damn bus. On est en train de shooter quelques photos parce que la lumière elle est incroyable. Mais regardez l'endroit, il est trop beau. Non, c'est trop stylé. Je vous pose là. I was amazed, I was still in high school, but now I'm out. And money what I'm about, trying to get so much that I can't keep count. New kicks give me cushion like whoopee. Keep a smile like an eating pork cookie. Everything good, I'm white boy awesome. Up all night, Johnny Carson. I ain't got a Benz, no, just a Honda. But try and get my money like an anaconda. Real, real long, cross the country. Smoke joints in the whip, no cap can bust me. Driving to the stage, they applaud and scream. L'hôtel est là, on se balade du côté de Williamsburg, du côté de Brooklyn. Pour l'instant il y a pas mal de choses de fermer parce qu'il est tôt, il est genre 8h30, donc en fait on croise que les gens qui vont au boulot et tout. Mais ça a l'air assez sympa Williamsburg, non? Ouais, une petite boutique, moi c'est pas mon quartier prêt, mais... Moi non plus, mais c'est sympa. C'est résidentiel, c'est cool. C'est cool là-bas. C'est plus calme, c'est cool. En plus là il fait trop beau, donc c'est trop bien. Et là on est dans un... On est à côté d'un parc à chiens, donc c'est trop marrant, il y a plein de chiens qui jouent ensemble et plein de gens. Tous les mêmes chiens. C'est trop cool. Ouais, il y a beaucoup de doodles. Ils sont trop choux. Allez, on y va. Est-ce que dans 5 secondes tu peux aller là? Compte. Parce qu'il y a écrit gentil là. Lara. Gentil. On va se diriger vers le Williamsburg Bridge. Voilà. C'est sympa hein, Williamsburg, c'est vraiment sympa. Alors pour habiter ici, c'est le pass d'entrée, c'est un doodle. Ils sont tous un doodle. Donc si tu veux habiter à Williamsburg, il faut un doodle. C'est tout. Mais bon, là on va du coup prendre le Williamsburg Bridge. D'abord on va faire un spot photo. C'est parti, il est que 9h30 hein. Non, 9h40. Moi j'ai ma barre au cas où j'ai une baisse de tension. DJ hit me. And I like my rhymes witty, all my dimes pretty. If you got weed you can come fly with me. I don't take pity on them silly little hoes. Milli Vanilli, but this is really how it goes. Mouth my words, don't say shit. Shh, shut up bitch. Good, on est dans mon petit car. Ah bon? Suivez-moi. Yeah man, how are you? On va prendre le Williamsburg Bridge, mais en fait ça je l'ai déjà dit. Hi man, how are you? Ah si, là je vois ce qu'il y a là normalement. Là je vois ce qu'il y a normalement, il y a une énorme table, non? C'est pas du tout cet angle, si. I'm just playing, let's have a ball. All we need is some weed, hoes and alcohol. Hey, don't forget it when I'm wrecking the etiquette. For the hell of it, smelling it when the hell of it. Trouver l'entrée, elle est là, c'est ça.
Ça paye pas de Pelican. Young fresh, but I'm so damn intelligent. Girls giving brains, cause I'm acting like a gentleman. In deeper than the water, Michael Phelps was in. Finna have a party, baby, you can tell your friends. We the type looking right, still setting trends. Fuck a job, I'ma get these dead presidents. Hier, t'avais réussi ton défi? Oui. C'était quoi ton défi? C'était de... Ah non, c'était de filmer... C'était de filmer un home run, non? Ah ouais, t'as pas réussi. Bah, y'a pas d'home run. Et maintenant, tu veux ton nouveau défi d'aujourd'hui? Oui. Alors, défi d'aujourd'hui, c'est que tu dois plonger dans une piscine. Tu dois faire un plongeon. Mais un vrai plongeon. D'accord. Allez, let's go. C'est quoi mon défi, moi? Je sais pas encore. Ok. Je sais pas quelle sauce tu veux te manger. Non. Alors, allons manger. C'est un chacha matcha. Il y a 5 ans, non. Et en fait, j'ai abusé sur le temps, c'était il y a 3 ans qu'on est venu. Il y a 3 ans, je voulais absolument toute la semaine aller au chacha matcha. J'avais même fait une chanson. Chacha matcha, chacha matcha. Quelle belle chanson. Et quand on est arrivé devant, Valentin, il m'a dit, mais tu sais ce que c'est un matcha? J'ai dit non. Il m'a dit, bah c'est une boisson verte à l'algue. Du coup, j'ai dit, bah j'en veux pas. Et j'ai goûté à Paris et c'est dégueulasse. Enfin, j'aime pas. Regardez la casquette de Valentin. Le mode photographe est activé. C'est sympa, avec la retouche ça va être cool, mais quand je passe j'aime bien aussi. On a changé de carte en fait. Vous verrez pas. Valentin, il m'a ici un nouvel accessoire. T'aimes pas? Non. Par contre, moi, il me va bien. Moi, j'ai vraiment le look de cowboy là. Il m'en pique les Santiago. Et là, je suis une vraie cowgirl. Moudla en mot. Bah trop bien, non? Je vais m'acheter mais H&M, il est... You're from Dallas, Texas? Next destination. Valentin, il veut m'acheter ça pour l'Asie. Je suis pas sûr que ça soit très nécessaire. Mais si, Indiana Jones, des temps modernes. Le Urban, c'est notre magasin préféré quand on va à l'étranger. On fait tous les Urban du monde. Celui de Paris, il est éclaté. Les magasins en soi, les Urban, les bâtiments primes, en fait. Chipotle with the view. On a repris des bols au chipotle parce que c'est trop bon. Et moi j'ai repris un poppy. Mais cette fois j'ai pris un poppy Rosemary et rose. Donc ça doit être framboise et rose, non? C'est ça? Rosemary, ouais. C'est ça? Voilà, à goûter. Je vais goûter demain. Bon. Ça fait bizarre en soda à la framboise parce que normalement on t'a jamais ça. Enfin, tu sais, c'est pas. La framboise c'est pas très. Pas souvent. Si c'est bon. Si pas mal. Donc, comme je le disais dans l'autre vlog, c'est un prébiotique soda. Donc en fait, c'est pour. For a healthy gut. Donc, c'est tout ce qui est. Voilà. C'est bon pour la santé normalement. Et il rajoute pas de sucre et tout. Genre c'est un soda stylé. Un soda bon pour la santé. Voilà. C'est pas une légende, hein. Il n'y a pas de 13e étage. 11, 12, 14. Pause pipi. À l'hôtel. On va faire les photos. Tu veux faire une photo de la chambre aussi? Parce que ce serait cool, ouais. Au moins c'est fait. Voilà mon coin. Je me retrouve avec toutes les affaires. Comme un cabas, parce que Valentin il veut pas que je le dérange. Alors je vais en profiter pour répondre à des mails. Je vais faire les photos. Mm-hmm. Et donc il faut juste que ce soit clean. Donc faut pas que tu rentres à la chambre. Mm. Comme d'hab. Je suis puni. A tout à l'heure. On se retrouve dans la piscine. Let a man
17h, il serait temps de sortir. On est à New York. On peut pas rester là. On a beaucoup marché aujourd'hui. Et la piscine, ça casse. Tu viens de te réveiller de ta sieste? Non, j'ai pas fait de sieste. J'aurais dû peut-être. Allez, on y va. On s'est posé au Central Park pour prendre un petit apéro pendant le coucher du soleil. Voilà, on a du coca, de l'eau, des chips, du coca vanille, jamais goûté. Et voilà, on va profiter du coucher de soleil. Après, Valentin, même s'il est explosé comme tout, je pense qu'il va aller faire des photos. On va certainement passer à Times Square, il va faire des photos et après moi je vais rentrer à l'hôtel, je pense. Avec lui ou sans lui? On ne sait pas. Valentin? On ne sait pas. T'as l'air très fatigué, hein. Je vais vous montrer la tête de Valentin. Regardez ses yeux. Valentin. Non, en fait, comme ça, pas fatigué. Pas fatigué. On fait des grosses journées. Hein. Là, on est à combien de kilomètres aujourd'hui de marché? Demain, c'est la dernière grosse journée qu'on a. Donc, faut être en forme. Quoi? On est à... Déjà, là, mais rien que si tu veux rentrer à l'hôtel, il y a 4 km. Ah ouais? Oh merde. Ouais. C'est à combien on est là? Je dirais 16. 20. Oh, ah oui, c'est déjà pas mal. Là, on est à 20,1. C'est la plus grosse journée aujourd'hui. Ouais. Qu'on a fait. On a fait 20,1 km. Alors qu'on a chillé à l'hôtel, à la piscine et tout. Hein. My God. Bon, bah, apprécie bien ton petit apéro avant de retourner faire des photos. T'as déjà goûté ça? Non. Take a day off, work around the clock, my engineer getting paid off. Rock like Aesop, like the weed and take off. So high, can I see? Eight off, now I got these rappers all breaking up a sweat. Cause every time I get... Sujet du jour. Come correct and I learned it from the best. Always dressing something fresh. Looking for a little dime, big button, nice chest. Yes, they heard I used to rock, guess. But now I'm rocking clothes that ain't in the store. 30 et là c'est la fin de journée pour nous. Valentin va chercher à manger pour ce soir certainement au Five Guys. Moi je vais aller me coucher et donc on se dit à demain pour la dernière journée. 24 km aujourd'hui. 24 km aujourd'hui à pied. On est explosé. On a fini par un cocktail sur le rooftop très sympathique. Et du coup là demain c'est la dernière grosse journée avant le départ, donc on va grave profiter. Let's go. T5 guys.